Bonjour à tous et bienvenue. Troisième fois que j'essaie de tourner cette vidéo. En tout cas, ce week-end, j'ai des problèmes partout. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, je réagis à la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est-à-dire 10 000 vues. C'est la vidéo ramassage de foin en montagne 2018 de Réforme EBI que j'avais fait, que j'avais publié le 1er juillet 2018. Voilà. Alors du coup, on va tout de suite commencer cette vidéo-là. Je vous donnerai des trois anecdotes de tournage sur cette vidéo. Là, vous venez de voir un petit passage où j'avais bloqué où j'avais changé de plan pendant la musique. Moi, j'aime bien quand je fais les montages de mettre la bande musicale dans ma timeline et après de poser tous mes rushs et puis après je les coupe à fur et à mesure en fonction de la musique. En fait, je joue avec la musique pour que ce soit un peu intéressant pour le visionneur, enfin le spectateur. Et du coup, ça vaut que pour des vidéos avec images et son. Images et musique. Là, pour la petite anecdote, ça a été filmé tout avec l'iPhone 7. Et le problème de ce plan là où c'est un peu plus blanchi, c'est pas un filtre du tout, c'est tout simplement que là j'ai filmé avec le soleil en face en fait. Et du coup ça tout blanchit la vidéo. Mais autrement j'essaye toujours de filmer avec le soleil dans le dos, que ça ait une qualité vidéo optimale. Un petit nouveau le T8, ça fait rien. Là, ça a été filmé également avec l'iPhone 7 et avec la stabilisation optique. Donc, j'ai pas de stabilisateur, c'est ce qui me manque encore, mais voilà, c'est pas très bien. Là, comme je disais, je joue avec la musique, c'est avec les ding ding, je fais toujours bouger un peu la vidéo. Là, on voit bien que c'est assez raide, mais on verra encore mieux après. Propriétaire du pré avec son quad. Donc là, je suis nouveau, donc autre jour. Je suis nouveau en face du soleil. Mais vu que je suis un peu, je filme pas en comptant, ça va. Là, on voit comment ça monte le fond en fait sur l'indemnité. Dans l'autocharger. Là, je suis dedans et c'est là on voit vraiment que c'est très très raide ce prêt là. C'est là où là pour la petite anecdote, c'est qu'en fait ça descend tellement, moi je filmais comme ça, et puis à un moment donné je m'y attendais pas, mais vu que ça tombait, alors le chauffeur il avait le volant donc ça dérangeait pas, mais moi j'avais rien pour me tenir, alors j'ai passé, j'étais debout après dans la cabine.
Là, ça va être un prix un peu plus loin. Ce plan-là, je l'ai fait tout en dernier avant de... en tout cas, une demi-heure plus tard que... non, je l'ai fait en rentrant du trait que j'avais fait juste avant. Et ça a été filmé fin juin. Voilà, on verra comment il décharge, donc il peut-être doit débrouiller et après passer à l'eau. Tout simplement. Juste derrière, on voit le pont roulant qui vient chercher son voyage. Le propriétaire de la ferme, lui, il a investi il n'y a pas très longtemps à ce pont roulant et il me disait que c'était très pratique en tout cas. Pour ramasser le foin, en tout cas pour l'engranger, avant il faisait avec le souffleur et c'est nettement plus rapide avec le pont roulant, avec la pince, on prend beaucoup plus de foin qu'avec le souffleur. Là, comment ça fonctionne pour décharger, c'est tout simplement une chaîne avec des barres et qui pousse tout le foin à l'extérieur de la caisse, tout simplement, c'est tout basique. Certains ils ont même un tapis roulant, mais là c'est deux chaînes qui sont traînées avec des barres dessus et que ça pousse tout dehors. De la marque Auer, le grappin là. C'est très spectaculaire de le voir ça en action live, hein. Ça c'est sûr. Je vous ferai bien sûr des vidéos, normalement je fais une vidéo RL par saison, normalement si j'arrive à faire cet été une vidéo, je vous ferai bien sûr, et il y aura bien sûr des plans en drone, c'est prévu. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée là. Petite vidéo aujourd'hui où je vous ai présenté 2-3 petits trucs sur ce tournage là de ce qui s'est passé en 2018. Je vous invite à aller checker si vous aimez ce genre de vidéo. Live reaction, vous avez la précédente, mais sinon pour les vidéos RL, je vous invite à aller checker sur la playlist vidéo IRL où j'ai encore 4 autres vidéos sur le même thème également, le fenaison, que je vous invite à aller découvrir. Sur ce, moi je vous souhaite un bon lundi et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, tenez-vous bien et ciao tout le monde.